l'idée est de pouvoir présenter des collections racontant une garde-robe qui va compléter à chaque fois la précédente, très simplement. Donc là, le travail a vraiment porté... Bon, je suis toujours sur mon support de recherche créative, le noir et l'ivoire. Hein. Vous avez vu, les dosages ont été un peu différents. La structure du vêtement est différente, simplement parce que c'est une garde-robe que j'ai voulu proposer idéale, hein, un peu comme on s'habille, hein, nous les femmes, donc le tailleur-pantalon, le manteau, le trench, la robe de jour, la robe de soir. L'or était important pour moi, je ne sais pas, j'avais envie de cette lumière-là. Donc il est sorti sous cette forme d'expression-là, mais oui, j'avais envie d'or. J'ai vraiment taillé, je pense aussi... très instinctivement, parce que je pars de rien en fait, je pars d'aucune inspiration, si ce n'est le ressenti du moment, de mon environnement féminin, parce qu'on fait des vêtements pour femmes. J'ai voulu aller dans une autre dimension du vêtement et révéler le corps autrement que la première fois, par exemple. Mais on retiendra toujours qu'une robe de la première saison serait ravissante sous un manteau de cette deuxième saison, voilà.